Sports. Comment est-ce, Moss? J'espère que Thomas va venir sur le live. Je suis bien fatiguée, les amis. Je suis bien fatiguée, les amis. Je suis bien fatiguée, les amis. Je suis bien fatiguée. Bah, continuons là. Bon, quand je vous explique, pour ceux qui n'ont pas suivi hier. Au début, j'étais à Chelsea. Après, en gros, je devais me faire recruter au Real. En fait, le Real, c'était qu'un piège. Donc, il y a eu un gros problème avant le transfert. Donc, à cause de son manager d'Hunter, ben, il a failli lui ruiner sa saison. Parce qu'on est tous reposés et prêts à travailler. Mais comme maintenant il y a. Mais comme il y a la galaxie que j'ai battue en finale a demandé pour que je vienne, ben je joue chez la galaxie. Parce que en fait Chelsea ne voulait plus de moi. Enfin, plus personne ne voulait de moi. Enfin, de Hunter. Quand je dis moi, je parle d'Hunter. Vous comprenez bien. Pas si dégueu. Base de la défense. Et ah oui, chaud. Wow, faire 0 points. Comment j'ai gagné le point? Oh. Oh non. C'est pas grave. Demain, si vous voulez me retrouver, c'est à l'aéroport de Bangkok. L'international. L'entraînement. À 8h30, 9h. Donc la NYCF, je ne sais pas quoi. Moi je fais tout le temps un carnet Hunter parce que. Vous avez vu, moi je suis dans la galaxie. Hein. Allez, même moi je suis dans la galaxie. Et nanani, nanana, nanani, nanana. New York City FC. Qui va se jouer ici, en Californie. Qu'est-ce qu'on voyage comme ça? Aujourd'hui, on est au StubHub Center, ici à Los Angeles, avec une ambiance sympa, je trouve. J'espère que le match le sera aussi. Non. L'équipe à domicile, donc la proposition. Ouais, je commence très bien le match. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est vrai, moi, le counter. Un 4-4-2, disons plus classique. Ouais, il lui remet.
belle séquence de possession. Je peux me placer. Ah. Morales. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Il reste sur un doublé lors de sa dernière sortie au terme d'un match complet. En trop mouillé, je ne serais pas trop. En profondeur, oui, bien vu. Mais non. Non. Peut-être une occasion. Non. Oh là là, on a failli assister vraiment à l'ouverture du score en tout début de match. Ouais, on l'a senti un peu en panique, comme s'il était surpris d'avoir une si belle occasion d'entrée de jeu. Romain Alessandrini. Jones. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il a foutu quoi le mec avec moi? Avec Via. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Jones. Alexander. Yeah. David Villa. Il s'avance vers la surface. Morales. Peut-être une occasion. Non mais vas-y, ça fait exprès qu'il ne marque pas. David Villa. Oh, il était temps là, il était temps. Ballon pour Hunter. Les 30 derniers mètres. Hunter. Pas de soucis pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. David Villa. Morales. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Vas-y, c'est fait exprès. C'est pourtant une belle occasion. Peut-être trop belle même. Wow. Eh, il n'y a pas une petite faute là. Attaque. Ça peut très bien faire un but. Non, mais ils ne marqueront pas, c'est un bot. Calais. Ah oui, il reprend le ballon au tout dernier moment. Non. Jones. Alex Hunter. Ah non, le ballon est perdu. Pierre-Louis. Là, il faut que je crée des occasions. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Jones. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Peut-être une bonne opportunité, attention. Alexander qui tire de loin. Intervention vraiment facile. La frappe était trop lointaine pour inquiéter le gardien. Elle était pas trop lointaine, juste. Juste, il y a quelqu'un qui a tiré dessus, non? Enfin, il y a quelqu'un qui l'a contré. Bon jeu de passe à la fois précis et ambitieux. Oh, c'est beau, ça l'avait. D'envoi de la seconde période. Alex Hunter. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Jonathan Dos Santos. Wow. Dommage, il y avait l'occasion vraiment de prendre l'avantage. Faut que je me mette sur mon pied droit. Au lieu de faire les écales à gauche, il faut que je le fasse à droite. Il faut à tout prix que je marque. S'il ne marque pas, je suis dans la merde. Tiens Pierre, une petite analyse sur la première période d'Alex Hunter, peut-être. Moi, je trouve qu'il a été transparent. Pas de but, peu d'occasion.
On attend quand même autre chose en longue période. Peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Aucune occasion, mais juste qu'il a... qu'il se taise. C'est juste toi qui es transparent, parce que toi, on ne sait même pas t'écouter. Tellement que t'es gnoche. Allez, on y va. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Ah, la pression était forte. Ah ben, au moins ça débarrasse, ça donne de l'air. Vite, Hunter, sprint, Hunter. La dernière demi-heure de cette partie. Ah, c'est bien joué. Il faut se battre sur ces ballons. Hunter qui avance balle au pied. Ah. Allez, qui va reprendre ce ballon. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Il n'est pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Robin Lassandrini. On s'approche du but. Le garde Alex Hunter. Non. Tout ça pour ça. Quel dommage. Il s'était parfaitement ouvert le chemin du but et on a sa tête. Il a dû se dire qu'il avait fait plus dur. Oh, mais vas-y, une passe décisive, mec. Ok, il n'y a pas de problème pour ça. Ouais, la bonne récupération, très haut. La frappe. Vas-y, c'est impossible de faire une passe décisive. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Elle est dépossédée du ballon. Ah. David Villa. Il faut que j'impressionne le boss. Ne vous inquiétez pas. Quand je travaille à l'école, j'impressionne bien les professeurs. Donc pourquoi j'ai... La passe est interceptée. Vas-y, mais d'où c'est un mauvais appel. Vite, juste. Allez, juste, il faut que j'aille marquer un goal. Juste marquer un goal. Dans le match, il est déjà remporté. Oh, il était là, excellente intervention. Oh, il y a du monde sur lui. Oh, il la perd dans sa moitié de terrain. Risque d'être remplacé, mais juste ferme là. Ne t'inquiète pas, je marque un goal et voilà, tout est remis à zéro. Mais vas-y, mais fais-je moi une passe. T'inquiète, on va marquer un goal. Si elle passe cette balle, si elle passe. Ah, clairement, ça peut faire but derrière, hein, donc c'est très bien défendu. Allez, on redouble les passes. Hunter, peut-être un bon coup à jouer. Le bon ballon. Le gardien qui repousse. Attention. Wow. Hunter. Oh, la bonne aspect. Il va y aller. Comme il va sans vouloir. Vu sa défense, ok, la prochaine, je la mets. Ah, et juste. Jamais leur adversaire n'aurait égalisé. Il va vraiment sans vouloir. Oh oui, mais c'est quoi le jeu? Y a personne sur mon live. Mais Thomas, il faut quoi? Ça devait un peu aller changer les paramètres là. Parce qu'avec semi-pro, je vais ruiner ma carrière. Hein. Voilà, tout ça en sauvegarde. Allez, changer tout ça, les personnaliser. Création du joueur. Quitter sans sauvegarder, ignorer les changements en paramètres. Paramètres de jeu.
Bah, peut-être mettre. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut aller jouer. Il n'y a plus de problème. Hein. Semi-pro, c'est trop chaud. J'ai marqué que 2 goals. Et les 2 goals, c'était ce matin même quand j'ai joué. C'était contre une équipe mais qui pue à la merde. Regardez, en plus, on est 7e avec 31 points. C'est pas bon. Soit ballon intermédiaire, soit ballon avancé. What the fuck, quoi. Bonjour, Hunter. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas cessé de m'impressionner. Pour être honnête, j'avais des doutes. Tu es plutôt jeune, tu es dans un nouveau pays, on te met la pression. Ici, beaucoup de joueurs plus expérimentés ont échoué. À mon avis, ils n'étaient pas assez motivés pour réussir un MLS. Mais toi, tu es différent. En venant chez nous, tu as déjà redonné à ce club l'espoir de se qualifier pour les playoffs. Je vous remercie, coach, mais c'est un travail d'équipe. Peut-être, mais grâce à toi, l'équipe a été transformée. J'aurais voulu être comme toi quand j'étais joueur. De quoi vous parlez? Vous avez joué pour le Mexique en Coupe du Monde? Oui, quand j'avais 34 ans. Ma première grande compétition. Vous savez? Mais quand j'avais 20 ans, j'étais encore ado et... j'ai fait des choix dont je ne suis pas très fier. Ouais. Dans ce sport, les jeunes talents sont récompensés beaucoup trop vite. On passe, on s'en fout de tout ça. Buenos dias, messieurs. Bien reposé? Je veux qu'on bosse les coups de pied arrêtés. Calme. Ouf. Oh ouais, par contre... Attends, il est pas arrogant, mais il est calme. Oui. Wow. Allez, allez, allez. Hein? Continue. Je veux de l'engagement. Oh, pour finir en beauté là. Vous êtes bien entraîné, reposez-vous. Je suis exigeant. Je sais que vous pouvez être bon. Ah, même pas.
Mais je comprends pas pourquoi Chelsea m'a rejeté, quoi. On l'a juste allé au gars, j'ai rien fait de mal. Mais là, j'ai eu mon amateur, on va gagner le match comme ça, là, tac tac, il y aura plus personne. On va pas perdre plus de temps. Bonjour à tous, bienvenue pour ce match que nous allons suivre ensemble avec à mes côtés l'incontournable Pierre Mauroy. Il vous en supplie Hervé. Bonjour à tous et puis blague à part, je suis super content de commenter avec toi. Et moi donc. Voici la composition de l'équipe à domicile. Sébastien Leggett, un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. Tiens, voici deux joueurs qu'on va suivre très attentivement dans ce match, Pierre. À la limite, on pourrait même parler de match dans le match entre ces deux individualités. Ça devrait être très intéressant à suivre. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Ballon pour Hunter. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Au centre, il a vu ses coéquipiers. Et on a dégagé pour écarter le danger. Giovinco. L'arbitre qui doit intervenir. Je suis désolé. T'as vu l'arbitre derrière comment il était ? Oh, l'entraîneur. C'est comme s'il allait montrer un fuck aux supporters. Le ballon change de camp. Ah, facile la récupération. Allez, on va à gauche. Hein. Ah non, c'est pas bien là, fait, j'ai ça. Très mal commencé. Jones. Oh, ben, laisse Andréby. On s'approche du but. Attention, il n'y a plus que le gardien. Sur ce ballon qui était difficile à négocier. Justin Moreau. Ça va être compliqué. Oh. Chris Mavinga. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. On va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. Bon, mes tacles, ils sont mauvais. Non, mais ça joue vraiment. Je vais peut-être rester en position. Et il est dépossédé du ballon. Peut-être assister à une contre-attaque. Il avance vers le pied. La contre-attaque qui se poursuit avec un tir. Oh, le poteau! Et c'est bien centré. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Et attention! Excellent plongeon du gardien sur cette action. Ouais, bonne sortie du gardien. Mais non, mais. Oh, il fallait y aller. Allez! Le ballon est perdu pour tout le monde là. La frappe. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Allez, on se fait des dames. Résultat maintenant, ça va pas être facile. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Ah non, c'est une grosse connerie. Ah, mais comment je fais des gestes techniques? Oh. Ouais, il avait pas le choix. Il fallait la talonnade qui passe, mais
qui ne passe pas. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ce n'est pas logique, ma phrase. Mais non, mais allez. Reste en place, Hunter. Boy. Vas-y, je vais l'appeler Hunter Boy. Comme cela, Hunter. Tu vois, mais pour moi, il va mettre 0 carton. En gros, je peux faire. Si, en fait. Bon. Allez. Allez, on va en mettre un petit là, comme ça, mon équipe est contente. Retour pour cette seconde période. Allez, l'arbitre qui relance le match. Justin Moore. Oh non. Je vais plus avoir de mauvais commentaires que de bons commentaires. Ah ouais, ça c'est bien. C'est ça le problème. Il est à l'interception. J'aurai une hyper bonne note. Hunter. Allez, ils ont peut-être. Vous savez qu'il y a un belge dans mon équipe de la galaxie. Lumineux, cette passe. Attention, ça peut faire mieux. Hazardeux. Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Y'a menir. Allez, on va s'en mettre un petit troisième pour l'équipe. Un tir impossible à arrêter. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Oh non. Ou le tacle. Ou le tacle, il porte un carton rouge. Hein. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Allez, il continue. Ballon pour Hunter. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Le gardien qui a été pris. Allez, le petit dog qui passe, l'oreille. Allez, maintenant, on va encore s'en remettre un. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Non. Allez les gars, on va s'en remettre un petit parce que là c'est rigolé la plaisanterie. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Ok, là calme. Réaliser. Waouh, 2 passes décisives. Il est fou le mec. Ah ouais, en 10 secondes là, je dois faire. 2 passes décisives. Wouah, chaud gros. Pour Los Angeles Galaxy. Alex Hunter. Mais vas-y, juste fais pas chier toi. En profondeur, les rayes. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah non, le ballon est perdu. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Oh, il a fait la faute alors qu'il a déjà un jaune. Ah, voilà, il avait été averti. Et là, c'est. Quoi, je me prends un carton rouge, mais allez. Ouais, mais vas-y, ça devient. Hunter me rejoint à l'instant. Alex, vos buts ont été décisifs aujourd'hui. Quel est votre sentiment après cette prestation particulièrement réussie? Chaque occasion, j'avais la sensation que j'allais mettre un but. Parfois, c'est de la folie. Les défenseurs adverses étaient dépassés et les buts s'enchaînaient. Ils vont garder un mauvais souvenir de moi pendant très longtemps. Merci, Alex. Ah ouais, au calme.
Wow. Je sais pas si je vais un peu sucre fort. Hunter. Coach. Tu sais ce que je vais te dire, non? Fais attention au carton rouge. Fais attention au carton rouge, Alex. On ne peut pas se permettre de te perdre à ce moment de la saison. Marquer des buts est la seule manière de faire du mal à l'adversaire. Mais pourquoi tu me demandes des passes décisives? Qui a intérêt? Vas-y, que je me fasse virer, qu'est-ce que je m'en fous? Si ça tombe au mois de janvier, je vais quitter le club. Qu'est-ce que je m'en fous? Je te parie, c'est même fait exprès. Alors? J'ai été pris. Ils sont extrêmement impatients de travailler avec toi. Ils te veulent dans leur prochaine pub télé avec ton copain. Le tournage est la semaine prochaine. Oh. Je fais plutôt un bon agent, je trouve. Bien joué, papa. J'arrive pas à le croire. Je suis content pour toi, fiston. On veut toujours que ces enfants réussissent mieux que nous, tu sais. Écoute, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. C'est... Kim ? Apparemment, c'était jamais le bon moment. Je rêvais de te rencontrer et j'y croyais pas quand papa m'a dit que t'allais t'installer dans le coin et... Papa ? Quoi ? Tu lui as pas dit ? Alex, t'es en train de me dire que c'est ma sœur ? Alex, j'attendais que tu sois installé pour t'en parler, fiston. Je voulais que tu te concentres sur le football. Dis-moi que c'est une blague. J'allais dire la même chose. T'es sérieux ? Tu lui as encore rien dit ? J'ai besoin de réfléchir, ok? Oh shit, man. Wow, ça part en couille, hein. Entraînement libre. Bon, on se donne à fond en étant concentré. Au boulot.
s'entraîner. Ça va, mec? Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Merci, c'est sympa. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, all right? Bonjour à celui qui vient d'arriver sur le live. Oh, un match. J'arrive. Oh, 1-0 pour moi. Non, la personne a déjà quitté le live. En fait, je trouve que c'est mieux quand tu te prends des cartons rouges parce que tu sais que tu gagnes d'office le match et que t'auras pas de problème. Vous voyez comment moi je joue stratégique. Journée qui s'annonce, c'est une nouvelle journée pour progresser. Ah, je suis toujours chez le réserviste. C'est qu'un match, non? Fais un petit centre. L'intention, de l'intention dans les passes. En fait, vous voyez, même si je marque et que je fais à peine un petit centre, ça va améliorer Hunter direct. Donc j'ai envie de dire que je m'en fous un peu de mal faire mon centre tant que je marque. On va réessayer une fois. Précision dans les passes. Désolé pour ce peu l'oreille. Touche de balle, une seule. Ouh. C'était pas magnifique ça. Ok, c'est bon. Oh.
Vous voyez comme c'est beau ça les rails. C'est son père. Regarde, on voit même la bouteille de champagne sur la table. Oh, Chicago. Ouh, Chicago. Ouh là là, Chicago. T'as joué le Van Damme à côté. Van Damme. Mais pourquoi je suis... Sérieux, je suis en réserve. Mais what is the problem? Faut redevenir remplaçant, non? I never see your party tomorrow. Je croyais pourtant avoir été clair au resto. Le temps fait son office. Ça fait une semaine. Ça m'a paru plus long. Je voulais juste te donner ça, au cas où tu sois libre demain soir. J'arrive. C'est pas rien de jouer en équipe nationale. C'est qu'un match amical, mais si je joue bien, je serai peut-être sélectionnée pour un vrai match. Je savais pas que tu jouais. Si, c'est de famille. Écoute, je te remercie, mais... J'ai déjà un truc. Ah. D'accord. Je pensais que ça te dirait peut-être. Tu m'aurais donné ton avis. J'aimerais tellement qu'Alex Hunter me conseille sur mon jeu. Ah, je m'excuse, j'aurais pas dû. Oh, et au fait, le Real Madrid aurait eu de la chance de t'avoir. Ah bah, je crois que tout ça, ça part en couille, les grillons. Et franchement, c'est hyper bien fait. Hein. Allez, j'espère que cette fois-ci, je serai pas réserviste. Hein. Je perds trop de valeur. Bon. Ok, c'est bon, je suis titulaire. Non, pourquoi le match à fond est tout décapité. On s'en prend un carton rouge. Dès le début du match, carton rouge. Ah. Non. Oh, il y a faute. Hein. Vers le but, vers le but. Vas-y, là, je suis un peu le guignol, on va pas se mentir. Vas-y, on va recommencer cet entraînement. Tire, tire, tire! Oh, le petit tour du monde qui passe crème. T'en vas se mettre à l'anglais. Ça va recommencer là. Et non, mais vas-y.
Wow, quand je suis rentré dans le gardien. Oh. Ah ouais, moins 1000 s'il fait une faute et tout. Au calme. Et là, on tire pour la patate. Allez, on va essayer. Hop là. Mais non. On va pas se mentir, cet entraînement il est chaud. Termine, termine. Juste tire et mets-la. Vas-y, je crois que je devrais la leur faire une dernière fois. Hein. Vers le but, oh, vas-y. Vers le but. Il y a faute. Tire, tire. Ok, on tire. Eh, j'ai fait plus de pas que celui d'avant. Comment ça se fait? Mais vas-y. Hors-jeu, deux, il y a hors-jeu. Termine, termine. Bah ça va, le mec, c'est quand même... Ouais. Tire, tire, tire. Oh. Tout ce que je mets là. Est-ce que j'ai le droit de troll gardien? Allez, non, jongle. Hein. C'est bon. Termine, termine. Oh. Le karma a fait son retour. Moi, tu m'en es ok. Placement off. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, veuillez bien vous reposer et ne pas prendre de carton rouge pour votre prochain match. Bonne fenêtre. Et il y a un entraîneur qui te parle.
parle comme ça, moi je me casse du club. Hein. Ah oui, on va aller à la petite soirée romantique entre frères et sœurs. Ah, même pas. Alex, over here. Hey, salut. Mec, t'es doué pour organiser des fêtes. The studio is taking care of all of this. They deserve the credit. You're right. Ouais. Are you sure? C'est juste que ma famille est bizarre. Man. J'ai deux billets. Ça te dit? USA v Germany. Marozan. Pop. J'ai pas suivi. J'ai juste tapé au pif. Ah, mais je. Oh non, me dis pas que je vais faire une connerie là. Je quitte la galaxie pour la M. Pour les USA. On assiste donc à un changement dans les équipes des États-Unis. Ah, en gros, je joue à sa place. Hunter, qui n'a que 16 ans. Et qui va donc faire ses grands débuts en remporter le match. Oui, wow. Puisqu'elle est la sœur du célèbre Alex. Ah oui, moi je joue maintenant, je joue avec sa sœur. Au calme. En fait, quand on est mené 2-0, bon courage. Au calme, 5 tirs. C'est vraiment un baptême en feu pour elle. Oh, c'est contré ce tir. Ça va, j'ai déjà un tir dans la boîte. Je joue contre l'Allemagne. Ce ballon qui est intercepté. Et j'ai une minute pour marquer. Attends, moi je suis USA, je dois marquer deux goals. Au calme. La passe est interceptée. Qui monte, qui avance. Et là voilà la frappe. Oh, la transversale. Attention, c'est pas fini, ça continue. Oh, attention, c'est pas fini. Ballon rendu à l'adversaire, ce sera une touche. Et l'entraîneur des joueuses allemandes qui va procéder à un changement. Ah, le ballon qui continue après ce tacle et qui va le prendre. Et il est voilà. Ah non, se termine, ballon dégagé. Faut pas me faire la passe là. Touche pour les Américains. Morgan Ryan en 1-2. Hunter. Ah, une frappe pointaine, pourquoi pas. Ah non, un manque d'application. Oh, mieux à faire, c'est sûr. Ah ouais, je m'appelle Hunter. Kenter. Ah. Avec Peter. Ok, je vais te comprendre. Place 5-1, mais juste va te faire. Jennifer Marocan. Allez là. Les États-Unis, dont on retiendra qu'ils ont fait débuter une très jeune joueuse aujourd'hui. Oui, Kim Hunter qui honore sa première sélection. Elle n'a que 16 ans, je crois. Et on va suivre de près son match, évidemment. Une première sélection si jeune. Je ne sais pas si c'est un record, d'ailleurs. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Allez, après tout, pourquoi pas. Peut-être le tir. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Ah non, il faut que je marque 3 goals comme je dois remporter le match. Ah ouais, chaud gros. Et juste tac, le presse. Un bon ballon d'attaque.
Hunter. Voilà, celui-là, on va le marquer. Mais non! Non, elle a été interceptée, cette passe. Elle s'est jouée vers l'avant. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, peut-être une situation intéressante. Ah, et ce ballon qui est repris très haut sur le terrain. Et de si loin, la gardienne n'est pas mise en danger. Attends. Ok. Maintenant, il faut juste que j'en mette. Je m'en fous qu'elle soit cadrée ou pas, il faut juste. Facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Kim Hunter qui continue. Le tir est impacté par la gardienne. Vas-y, mais ne fais pas de perte de temps là. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et non, je suis mal positionné pour faire l'appel. De cette rencontre. Ça part bien, action dangereuse. En fait, je connais pas son beau pied. Un petit peu précis sur ce ballon. Attention à la frappe. Oh. Juste, il faut que je marque deux goals, quoi. Ça. Allez, là. Alors, au moins deux goals. On s'approche de la zone de vérité. Et la frappe. Mais c'est repoussé par la gardienne, ça joue. Le centre en retrait. Et le ballon toujours en jeu. Avec un tir. Allez, c'est bien de les remettre en confiance. Tout est relancé maintenant. Remporter le match. Fou. Eh, t'es fou, toi. Hein, de faire une égalité là, et puis de. Allez, je joue là. Oh, je joue. Oui, c'est bien parce que ça permet à cette équipe de. Allez, maintenant, il faut que je presse. Faut presser. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Kim Hunter qui s'enfonce. Ah oui, le tir. Et Kim Hunter qui vient de signer l'égalisation. Ah, c'est superbe ce qu'elle fait. Quel talent chez cette joueuse. Belle rencontre. Un score de parité maintenant de 2. Allez, maintenant, on va rechercher. Dans le temps réglementaire. Là, on va juste rechercher la balle. J'ai une forme de retour. Ouais, 5 minutes, hein, 5 minutes. Je crois que c'est bien donné, ça. Et après, ok, c'est bon, on a gagné. Allez, la frappe. Et ça fait encore un but pour Kim Hunter. Oh, quel talent! C'est fou, parce que entrer alors que ton équipe est menée de 2 buts et arriver à faire ce qu'elle fait, bah, c'est quasiment du jamais vu. Les États-Unis sont devant. Le but qui fait mal, qui fait très mal à l'adversaire. Allez, maintenant, on va encore chercher. Hein. Bah, on continue. Hein. Oh, qu'il leur fait du bien, ce but, Pierre. Qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se griser non plus. Il y a un avantage à préserver. Qui monte sur ce corner. Un corner adresse Lena Gosling. Ah, c'est pas bien joué cette tête. C'est sûr qu'il n'y a que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne, mais à l'arrivée, ça fait des mètres. Ce ballon qui sort en touche, la fin du match et la victoire des États-Unis au terme d'une rencontre assez bien maîtrisée hein, finalement. Ouais, belle prestation collective, mais aussi avec une petite mention spéciale pour Kim Hunter. Chez les amis. Vous aussi séduit par ses attaquants. Allez. C'est toujours chouette de voir. Oh, 10 tirs. Et en face, la défense a été. 10 tirs, énorme. On peut dire que ça c'est du jamais vu dans le football. Kim Hunter qui avance.
Interview après le match. Ouais. On se voit demain. Beau match. T'as très bien joué. Tu t'y attendais pas? Je suis une vraie Hunter. Tiens, je voulais te donner ça. C'est mon premier, tu sais, à ce niveau. Merci. Est-ce que t'as faim? Je meurs de faim. D'accord, allons-y. Tu vas devoir me le signer. Oh, ouais. La Hunter. C'est pas ce que j'avais en tête, mais... Wouah, désolé les gars, mais... Il y a deux. Il faut savoir que je rate jamais un pénalty. Celui-là passe carrément au-dessus de la transversale et finit dans les gradins. Je te jure... Poursuivre l'aventure. C'est bon. Ok. Alex. Pendant ton dernier match en Première Ligue, le public t'a hué. Hein, qu'est-ce que t'as ressenti? C'est quoi le premier truc que t'as fait en sortant? Franchement, c'était horrible. Ouais. Probablement le pire moment de toute ma vie. Mais bon, sinon, j'ai rien fait de particulier. Je voulais en finir, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce sentiment que je veux que tu exprimes. Ok? Tu te rappelles ce sentiment et tu le conserves pendant toute la scène. Le gosse arrive... Il vient t'offrir un Coca-Cola, et tu décides de le boire. Ok? C'est sympa. Ouais. Ouais, il est généreux. Il te console, tu bois le Coca-Cola, et tu te sens rafraîchi, tu te sens réconforté. Et tu veux lui donner quelque chose de spécial en souvenir de ce moment. Et voilà. Ok. T'as compris? Ouais, j'ai compris. T'es prêt? Ouais. Super. On répète la scène. Silence tout le monde! Et action. Hey, Alex? Alex Hunter? Ouais. Les écoute pas, ils y connaissent rien. C'est toi le meilleur. Tu veux un coca? Allez, je te le donne. Ok, c'est pas de refus. Du fait que le petit aussi dort, je vous prends du jamais. Du jamais au lit. C'est dingue. Personne va me croire. T'as un téléphone? Ouais. Allez, viens. Coupé! Génial! Vous avez été super, bravo les garçons. Ça va? On est bon? Perso, j'ai trouvé que j'étais un peu nerveux. Je transpirais pas trop. Non, c'était excellent. Bon, et ben super. T'as vérifié l'entrée? Ça me servait à quoi? Il s'agit d'un match de coupe. Si on gagne, on est en demi-finale de conférence. Si on perd, on finit la saison sur un échec.
C'est aujourd'hui qu'on rentre dans le vif du sujet, les gars. Si vous donnez tout ce que vous avez, vous pouvez renverser des montagnes. Et même réaliser l'impossible. Comme un vieux Mexicain qui participe à sa première Coupe du Monde. En gros, là, les gars, je vais bourriner. Je bourrine. Vous allez voir, il va y avoir un plus zéro à bout. Oh, calme! Ça y est, on y est, Pierre. C'est le début des playoffs de la MLS. Ouais, la saison régulière est terminée. C'est une autre compétition qui commence. Le LA Galaxy d'Alex Hunter a déjà réussi une partie de son pari en se qualifiant pour cette phase à élimination directe. Voici la composition de l'équipe à domicile. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on a. Attention, il n'y a plus que le gardien. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Boateng en retrait, dans l'axe c'est dangereux. Et le magnifique arrêt du gardien. Ce sera un corner pour les Galaxy. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Le ballon est sorti. Touche pour Los Angeles Galaxy. Alex Hunter. Ah. Je comprends pourquoi la LA Los Angeles. Hunter. Il avance encore. Il centre au second poteau. Et on l'a dégagé. Pour écarter le danger. La tête et le ballon qui sort en touche. La frappe. Le gardien qui repousse, attention! Alors, passe manquée qui sort en touche. Jones. Hunter. On avait bien senti les intentions d'Ashley Cole là sur cette passe. Bel effort défensif de l'attaquant pour venir disputer ce ballon. Alex Hunter à l'attaque, il gagne du terrain. La passe est interceptée. Alex Hunter. Oh, ouvre le score. Ça va peut-être libérer les joueurs. En tout cas, c'est tout ce qu'il manquait à cette rencontre. On voit bien sur ces images que, en plus, c'est pas de son meilleur pied. Enfin, ça, c'est ce qu'il prétend. Hein. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Le Los Angeles Galaxy, qui, comme ne l'indique pas son nom, est installé à Carson. C'est-à-dire dans la banlieue de l'année. En même temps, Los Angeles, c'est une espèce de méga banlieue. Oui, c'est proche d'eux. Et la voilà la frappe. Allez, les Galaxy qui s'envolent hein, dans ce match. Deux buts d'avance maintenant, ça commence à devenir super intéressant dans ce match à élimination directe. Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus lâcher aujourd'hui, il en est déjà à deux buts. Ça fait deux. Ne vous inquiétez pas, je vais encore en mettre un troisième. Alors peut-être un quatrième. Enfin, si je sais récupérer la balle. Bien joué le coup défensivement. Hunter, peut-être un bon coup à jouer. Jones. Jonathan Dos Santos. Choisit la frappe. Ouais, il repousse, ça joue. Vas-y, là, c'est parti en semi-pro. Alex Hunter.
Là, ils vont tout faire pour pas que je marque plus de goals. Pour Los Angeles Galaxy. Romain Lassandrini. Il repique au centre. Il prend sa chance. Le gardien qui repousse. Et l'arbitre qui siffle. Un enjeu lui a été signalé. Alves Povel. Un bon ballon d'attaque. Il progresse. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Boateng. Bon, une première période. Alors que débute à l'instant la deuxième période de cette rencontre ici au StubHub Center. Attention à la frappe. Oh, et voilà ! Et ça fait 3. Troisième but pour Alex Hunter. Quel match il nous fait, quel perf. Pas tous les jours que tu plantes 3 buts comme ça. Hein. Eh. Elle est rayée. Après ce match, je joue. Je là, il met. Où tout marche, ou presque. S'il vous plaît, mettez un maximum de. Maximum. Le match tourne à leur avantage. Pris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Hunter, attention. Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ah non, mauvais appel. Ça n'ira pas plus loin. Ça va être compliqué. Alves Powell. Alex Hunter. Non, une frappe lointaine, pourquoi pas. Un petit peu enflammé là quand même, non? Bah ouais, cette distance c'est pas évident, ça inquiète pas du tout le gardien. La défense qui récupère. Mauvais appel de balle, c'est lui qui fait pas la bonne passe. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. Et bien j'avoue que je me suis planté au. La frappe. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit. On passe la façon d'entrer sur le terrain du côté de Galaxy. C'est quand même que plus une passe en partenaire. Elle la voilà la frappe. Et c'est un but. Il faut faire attention sur les corners. Hein. C'est toujours dangereux potentiellement. Et ça a payé cette fois-ci. Un corner exactement joué comme il le faut. À voir s'il n'y a pas eu l'erreur de marquage quand même à un moment donné. On dirait Tixi celui en bas, à gauche. On va conclure sur une belle frappe. Après un corner bien dosé, la défense est trop passive là et le marquage est beaucoup trop lâche. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. La bonne interception. Boateng. La faute, carton peut-être. Entraîneur qui le fait sortir. C'est qu'il n'a pas vraiment été à la balle d'office. On sent de la déception chez lui au moment de quitter la pelouse. Ok. Nickel. Le ballon donné au millimètre, attention. Ah, il n'a pas réussi à la rabattre. Non, il a mal jugé la trajectoire. Sinon, il était plutôt bien placé. Los Santos. Bonne récupération milieu. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. La passe est mal assurée. C'est une interception. Hunter. Oh. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, il s'est fait passer le défenseur. La passe est interceptée.
Le tir. Oh là 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 là, il y avait mieux à faire avec un ballon pareil. Tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire. Ah, je te coule, qui va céder sa place. Les 30 derniers mètres. Corse ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il progresse. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Alex Hunter. Dos Santos. L'adversaire du Galaxy qui a oublié de couvrir le côté. C'est dans le paquet. Ouais, la bête. Oh, le bel arrêt. Ouais, excellent. Très, très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Il ne prend pas le couloir finalement. Attention à la frappe. Il est un petit peu cerné là. Alvarez Pérez. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Avec un tir. Oh, c'est contré. Et le gardien, c'est pas fini. 3 minutes de temps additionnel. Quatrième arbitre. La dernière minute du temps réglementaire. Ce match qui s'achève donc sur cette victoire du Los Angeles Galaxy. Bon les gars, on se termine là-dessus. Ciao, je vous laisse le live.